de jeune femme aidée par Pascal Sautant sur Énergie 12 inculpée pour coups et blessures. Sarah, adolescente ayant participé au programme SOS, Ma famille a besoin d'aide en 2016, a été inculpée pour coups et blessures et libérée sous condition. Sa sœur, Laetitia, âgée de 24 ans, a été placée en détention provisoire. Pascal Sautant n'est pas magicien. La preuve. En 2016, le coach comportementaliste avait aidé la famille de Nancy, une mère de 8 enfants dépassée par le comportement de Sarah, une adolescente alors âgée de 16 ans, qui faisait vivre l'enfer à ses proches. Intraitable, insolente et particulièrement violente, la jeune femme avait été sèchement recadrée par Pascal Sautant dans SOS, Ma famille a besoin d'aide sur Énergie 12. Deux ans plus tard, force est de constater que le travail accompli par Pascal Sautant n'a pas payé. Comme le rapporte le journal belge Sudinfo, Sarah et sa sœur aînée Laetitia ont toutes deux été inculpées après avoir menacé puis violenté une jeune femme. Laetitia, mère de famille de 24 ans, reprochait à sa rivale de lui avoir piqué son ex-petite amie. Nos confrères précisent que les deux sœurs avaient préalablement détruit la voiture de leur cible avant de la rouer de coups. Si Sarah, aujourd'hui âgée de 18 ans, a été libérée sous condition, Laetitia, elle, a été placée en détention provisoire en raison de son comportement provocateur face aux policiers. Pas mécontente des violences qu'elle a infligées à son ennemi juré, la jeune maman a affirmé face aux policiers qu'elle souhaitait la brûler à l'acide. Des propos intolérables qui ont poussé le juge d'instruction à la placer en détention le temps du procès.